Chris Kovetsky au violon et Bella Davidovich, piano, ont interprété la troisième sonate pour violon en do mineur de Edvard Grieg. C'est la fin de notre émission. Je remercie Richard Lavallée et Monique Carignan-Graton qui l'ont préparé. Je remercie également le technicien Pierre Léger, ici Michel Keb. Bonne journée à notre antenne. Au revoir. Et heureuses années à l'écoute de la radio de Radio-Canada.
Nous reprenons maintenant les émissions quotidiennes de CJBC 860 Toronto et du réseau sud-ontarien de la radio de Radio-Canada. CJBC émet sur une fréquence de 860 kHz et diffuse au cœur de l'Ontario avec une puissance de 50 000 watts. Les studios de CJBC sont situés au 354 de la rue Jarvis à Toronto et son réseau s'étend de Kingston à l'est jusqu'à Sarnia à l'ouest et de Penetang-Wishing au nord jusqu'à Welland au sud. Dans la plupart des régions qu'elle dessert, CJBC 860 diffuse sur la bande AM, sauf à Belleville, Penetang-Wishing, London, Kingston et Peterborough, où Radio-Canada est écoutée sur la bande FM. Radio-Canada diffuse ses émissions en conformité avec le permis accordé par le CRTC. Bonne journée à notre antenne. À l'occasion de l'année mariale proclamée par le pape Jean-Paul II, nous vous lisons cette semaine quelques passages d'un livre du théologien brésilien Leonardo Boff intitulé « Je vous salue Marie ». Le renommé professeur de la théologie de la libération montre non seulement en Marie le prototype des plus belles qualités féminines, mais aussi comment Dieu lui-même se révèle à travers elle. Il ne s'en tient donc pas à un sens déjà fixé par le passé, mais il cherche de saisir la permanente validité de la prière mariale en essayant de l'actualiser pour notre époque. Travailler de cette façon, dit l'auteur, c'est faire de la théologie. Son sens ne réside pas dans l'apport d'un savoir, mais davantage dans la nécessité d'alimenter la piété et d'approfondir ce que nous possédons dans la foi. Nous ne pouvons oublier les abysses du mystère qu'elle incarne, ni ce qu'elle représente pour tous les êtres humains dans l'expression de sa féminité, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Dans la célèbre exhortation apostolique de Paul VI, Marialis Cultus, il est clairement dit que la femme d'aujourd'hui, désireuse de prendre part au pouvoir de décision et au choix de la communauté, contemplera avec une joie intime Marie, qui, dans son dialogue avec Dieu, donne son consentement actif et libre, non pas à la solution d'un problème contingent, mais à l'événement des siècles, comme a été justement dénommé l'incarnation du Verbe. On constatera avec une joyeuse surprise que Marie de Nazareth, tout en étant totalement abandonnée à la volonté du Seigneur, ne fut pas du tout une femme passivement soumise ou d'une religiosité aliénante, mais la femme qui ne craignit pas de proclamer que Dieu est celui qui relève les humbles et les opprimés et renverse de leur trône les puissants du monde. Une femme forte qui connut la pauvreté et la souffrance, la fuite et l'exil. Situations qui ne peuvent échapper à l'attention de celui qui veut seconder par esprit évangélique les forces de libération contenues dans l'homme et dans la société. Ainsi, Marie n'apparaîtra pas comme une mère jalousement repliée sur son divin fils, mais comme la femme qui, par son action, favorisa la foi au Christ de la communauté apostolique et dont le rôle maternel s'étendit en prenant au calvaire des dimensions universelles. Ces quelques exemples mettent en évidence les vertus de Marie en tant que femme et incarnent les plus belles qualités féminines. En Marie, la femme découvre, comme dans un miroir, la vocation à laquelle elle est appelée par Dieu. Marie révèle la femme à elle-même et en même temps, elle révèle à l'humanité l'aspect féminin de Dieu. C'était un texte de Leonardo Boff tiré de son livre « Je vous salue Marie ». Thank you.
Radio-Canada. Bonne et heureuse année à l'écoute de la radio de Radio-Canada. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les chercheurs fédéraux progressent lentement dans leur analyse des échantillons de mollusques de l'Atlantique. Un porte-parole du ministère des Pêches a cependant indiqué que l'interdiction de la pêche commerciale pourrait être complètement levée ou au moins réduite très prochainement. Le gouvernement fédéral ne veut pas lever l'interdiction avant d'avoir procédé à l'étude de mollusques de toutes les régions du pays. La Ligue nationale de hockey rejette les conclusions d'une étude qui remet ses pratiques de recrutement en cause. Trois professeurs de l'Université d'Ottawa accusent la Ligue de discrimination à l'égard des joueurs francophones. Une conclusion inspirée par les fiches de performance des joueurs de la Ligue nationale, elle révèle que les joueurs canadiens-français sont systématiquement meilleurs que les autres. Et la seule explication, selon les auteurs de l'étude, c'est que la Ligue a des exigences plus sévères pour les joueurs francophones. Tellement sévères que seules les futures grandes étoiles franchiraient la barrière linguistique. Le professeur Marc Lavoie. Et comme elle demandait s'il s'agit d'une conspiration, non, il s'agit pas d'une conspiration, c'est quelque chose d'institutionnel. C'est peut-être le fait que les entraîneurs, les éclaireurs n'aiment pas tellement venir au Québec observer nos joueurs québécois. Ils ne leur posent pas tellement de questions parce qu'ils ne parlent pas le français. Mais la Ligue nationale proteste. Il y a au moins un membre bilingue au sein de l'organisation de chaque équipe. Et elle déploie sa liste de joueurs finlandais, suédois, allemands ou québécois pour démontrer que la langue n'est pas un facteur important de recrutement. Des joueurs qui, selon les statistiques, ont une performance supérieure à la norme de leurs coéquipiers canadiens-anglais. Chantal Hébert, à Toronto. Un nouvel article du Code criminel qui vise la protection sexuelle des enfants sera en vigueur vendredi. L'article prévoit une peine maximale de 10 ans pour toute personne qui touche un enfant de moins de 14 ans à des fins sexuelles. Les nouvelles dispositions puniront aussi toute personne en position de confiance ou d'autorité qui pratiquerait un attouchement d'ordre sexuel sur une personne âgée de 14 à 17 ans. Certains organismes, dont le Barreau du Québec, se sont dit inquiets que l'adoption de l'attouchement sexuel ne soit pas définie dans la loi. Ce sont en effet les tribunaux qui auront le soin d'établir une définition selon chaque cas porté à leur attention. Au terme d'une séance plutôt terne, le dollar a terminé à Tokyo pratiquement inchangé contre la plupart des devises. La Banque du Japon est intervenue à plusieurs reprises, mais pour de faibles montants seulement. Le billet vert cotait 123 yens 50 et 1 marque 594. Le gouverneur de la banque a déclaré que la récente dépréciation était excessive et plus importante que le moulin de l'explosion d'un réacteur de missiles MX dans une usine de la Morton Theocol en Utah a coûté la vie de 5 technicien. L'accident s'est produit avec un cœur de réacteur qui contient du carburant solide hautement inflammable. WTEL is owned and operated by the Beasley Broadcasting Company of Pennsylvania, with studios and offices located at 1349 Chelsea Avenue in Philadelphia.